Salut, c'est Raphaël Raffou. On se retrouve aujourd'hui pour le test de Transformers La Revanche sur PS3, dont on vous avait parlé lors de Transformers, le jeu, sur PS3 aussi. Donc, C'est un jeu qui joue en ligne. ça peut se jouer en ligne, ouais. Donc, il n'y a que du mode un joueur. Bon, le en ligne, on l'a pas parce qu'on n'a pas le Wi-Fi. Je l'ai, mais je me suis pas encore inscrit. Donc, bref, on va vous montrer le mode un joueur. Donc, Rafou va commencer avec les Decepticons, hein, comme d'habitude, c'est lui qui les fait. Bah oui, encore. Étant un Autobot de cœur, je ne vous montrerai pas les Decepticons, mais je vous ferai quelques commentaires. Hein. Donc, voilà, un menu assez sympa. Hein. Ce problème, les chargements, hein, comme d'habitude, c'est assez long. Oh, sur celui-là, c'est moins court que le premier. Non, plus court. Donc, moins long. Voilà. Donc, voilà, vous pouvez faire. On a fini le jeu, hein, le mode aventure, mais on n'a pas On toujours. n'a pas toutes les médailles. Enfin, on n'a pas tout le temps eu platine, on n'a même jamais eu platine, si je me souviens bien. Non, on n'a jamais. Ah, par exemple. Là, c'est les améliorations Qu'on peut faire. qu'on peut faire. Pour ça, il faut avoir de l'énergon. Hein. Voilà. On Si on n'est a. pas beaucoup. Là, c'est ce qu'on débloque. Où est-ce qu'on a débloqué? Je me souviens plus. Je Voilà. dois avouer que j'y ai Grâce à presque pas ça, on peut joué. Hein. débloquer voilà, les cours géants de Starscream en multijoueur. Voilà. Allez, on va dans une zone. Ouais, en mode entre guillemets jeu libre. Hein. Allez. Là, j'ai un jeu libre, entre guillemets. C'est Alors, le mode découvert, donc vous avez il pas y a les Longo, boosts. hein, deux fois. La forme verte. Sinon, il y a la couleur dorée. C'est géant. Il y a Blackout, que l'on peut avoir. Ah oui, en mode. Megatron Tank. Parce que. J'adore son air sadique. Ouais, c'est pas Starscream, cher. avec son autre apparence géant, que j'ai débloqué dans tous les modes. Donc, on vous avait parlé de Starscream Engine dans Transformers le jeu. En fait, c'est lui. Et Segways. Voilà. Il y a plusieurs types. Alors là, je l'ai en géant. Alors, les armes secondaires, des missiles à tête chargée, l'arme Alors, ça, c'est l'arme principale, lourde. une Ça, c'est l'arme mitrailleuse, légère. Donc, la et les mitrailleuse. compétences spéciales. Ça ralentit, ça dépend. Pour Megatron, c'est un gros canon. Là, ça ralentit une personne. Ses stats. Hop, je me suis bourré. Ok, il y a toutes les stats, hein, point de vie, régénération, Il y a dégâts de la magie, parce magie. que contrairement au jeu Transformers, le jeu sur PS3, PS2, etc., on n'a pas une barre de vie qui ne peut pas se régénérer. Là, on peut se régénérer, c'est pareil dans Transformers La Guerre pour Cybertron, qu'on vous présentera, hein, sur PS3. Allez, on commence. Voilà, donc Raph va vous montrer un petit peu. En géant. Voilà, donc il y a aussi les armes de mêlée, on ne vous les montre pas, on vous montre que les armes de poing. On peut faire des attaques de mêlée. Donc là, il n'y a pas d'explication puisqu'on a mis en mode découverte. Je vais continuer. Donc, voilà. Là, vous voyez un petit peu, hein, il n'y a personne. Tout simplement Là, parce c'est nous qui choisissons pour viser. La mitraillette, l'arme légère. Alors, le jeu existe aussi sur Wii, mais il est différent. Sur PS2, il est différent aussi. Donc, c'est pour ça que je l'ai acheté sur PS2. Alors. Rafou a fait le mode saut, Ah oui. Alors, je vous montre. c'est-à-dire il se transforme. Voilà. Alors, première chose, il se transforme. Voilà. Je me transforme. Ensuite, il met le turbo, donc croix. Et ensuite, il lâche en gardant croix. Et ça fait le mode saut. En gardant croix. Donc voilà, le mode saut. Je suis volée. Avec j'ai trois muscles qui m'a un buffet. J'ai relâché croix et je suis restée comme ça. Voilà. Et ça arrive aussi avec Megatron mode vol, donc Là, on vous j'utilise la montrera. déchargeuse. Je change d'arme. Tout Voilà. ce carrément tout se casse sauf les bâtiments. Voilà. Bon, il me semble qu'on peut endommager un peu les bâtiments. Hein. Après, il y Alors. a l'arme de mêlée, n'est-ce pas? Voilà, comme on a vu Il y a elle ça aussi. ici. Alors, sa compétence spéciale. Ils ont tous des compétences différentes, sauf Langrand et Ratchet. Ils ont des compétences similaires. Ouais, c'est à peu près tout. On appuie sur croix, puis on appuie sur rond. Là, voilà. Ça, c'est triangle, la compétence spéciale. Carré, l'arme de mêlée. Rond, c'est
C'est bah, pour s'accrocher, pour attraper. Voilà. Excusez-moi. Croix pour sauter. Et voilà. Alors, L1, R2, je veux R2, dire, et pour pour se transformer, transformer. il faut garder R2, contrairement à Transformers, le jeu où on n'a pas besoin de garder triangle, on a. Voilà, on peut le voir complètement. Regardez ce que ça fait si je le relâche. Voilà, il y a toujours un énervon Des pour limites délimiter. étaient. Hein. C'est Voilà. pas comme ce que tu avais fait, n'est-ce pas? Dans le test de Transformers, le jeu. Je me suis transformé en l'air. La compétence spéciale, la vitesse. Ça, c'est pour le turbo. Alors là, c'est quand on fait l'émission, le temps qu'on prend, le chrono. Alors, il y a plusieurs médailles, platine, Ça, or, c'est le mieux. argent, bronze et rien du tout. Ouais. Après, ça dépend du temps. La charge de cube d'énergon quand on gagne. Voilà, voilà. Ça, c'est Raphaël qui se défoule. Ouais. Donc voilà, on a réussi à le défoncer le cube. Alors, pour tirer, c'est aussi R2, mais avant, faut faire L2. Bon, je vais vous montrer ce Il qu'on n'y a peut pas faire avant. beaucoup d'Autobots, ce qui est bizarre dans le jeu, on voit Jetfire, on ne peut pas l'utiliser. Comme par là. Comme par Enfin, là. d'un autre côté qu'on ne va quasi pas, donc Voilà. Mais ce qui est bien, on peut vous allez utiliser Jetfire. découvrir en Autobots. Donc, je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec Donc un là, Autobot. on est Sur le mode. Comment ça s'appelle? On est Ah mince. Sur le menu Autobot. Donc là, vous avez pas mal de missions. C'est le même. C'est le même, sauf que c'est l'un est dans Decepticon et l'autre. Donc là, par exemple, en ville, on n'a pas de médaille. Et donc, si on n'a pas de médaille, on ne peut rien faire. Ouais, donc on peut cette fois-ci avoir tous les Autobots, parce que la première fois qu'on l'a fait, on pouvait avoir que Bumblebee. Donc là, je vais vous montrer un petit peu du combat, puisque on n'a pas voulu vous montrer de combat avant. Du combat bien mené, vous allez voir. Donc là, vous avez remarqué, j'ai pris Jet Prime. On peut l'avoir aussi en mode Découverte. découverte. Mais pour ça, il faut réussir. Avoir au moins une médaille. Donc, on peut avoir bronze. Allez, regardez ça, bon vieux copain. Dévastateur. On peut pas l'utiliser dans la campagne des Decepticons. Ce qui est bien normal, parce que ça ne bouge plus ça. C'est surtout le plus gros, donc à manier. Donc voilà, notre très cher Jet Prime. Jet Prime est le 20. Le vent très facilement. Vous allez voir. Regardez. Il aspire comme moi. Tout le temps. Alors, la vie de votre ennemi, bah, le chronomètre, le temps pour réussir, les trucs d'énergon. Donc alors là Alors, je lui enlève pas vraiment de vie, c'est juste voilà. parce que. Ce qu'il fait, Ravel. Oh là! Donc on est de retour cette fois-ci avec les Autobots, on va vous montrer une mission. On va vous montrer une mission avec ce bon vieux Dévastateur qu'on ne peut pas utiliser dans la Dans la campagne. campagne des Decepticons, vous voyez bah, les dents, tout ça qui est Quel est ce attaché. endroit? Mais ça sert à rien, comme d'habitude. Donc j'ai pris Jet Prime. Comme vous l'avez vu sur la vidéo, un petit cercle bleu, c'est normal. C'est un bonus de temps. Alors, la vie de Richard. Qu'est-ce que je raconte? Dévastateur. Dévastateur. Le chronomètre. Le temps qu'il faut pour avoir la médaille de platine. Alors, sa capacité, c'est la protection. Ce qui lui donne plus de vie. Protection. Qui protège au cas où du coup. La vitesse qu'il prend. La mini-carte. Ses vies. Alors, ce que disent les personnages se mettent en bas à droite. Son objectif et les bonus. Ah bah voilà, le petit cercle de temps. Alors, je vais vous montrer, on les défonce très facilement. Voilà. Simplement, quand vous regardez, ça lui a donné 500 d'énergon. Il Alors. va pouvoir vous servir.
Donc là, ça va bientôt faire 5 minutes que je suis sur lui. Non, pardon. Donc, 40, carrément 10 minutes. Il faut lui tirer dans la lettre. Ah, c'est vrai. J'ai oublié ça. Donc faut faire gaffe parce que. Faut toujours être au-dessus de lui. J'ai déjà essayé de me mettre sur lui. Impossible. Parce que je me prends toujours ça. On peut charger les attaques sur certains personnages. Donc alors là j'ai pris l'arme lourde. Alors là faut faire gaffe. Donc vous voyez on a très peu de visibilité, c'est tout simplement parce que. On perd de la vie, beaucoup trop même. J'ai perdu quasiment toute ma vie, donc. C'est parce que j'ai tendance à attaquer parce que là j'ai envie de finir vite la mission. Faut avoir au moins une médaille comme ça, on va pouvoir jouer normalement. Après ça, je pourrais vous montrer en mode découverte tout ça. Voilà. Donc j'ai encore défoncé un de ces lance-missiles. Ouais, bon, ça en fait 2 sur 3, mais il y a un moment où il est vraiment extrêmement dur à battre. Ah oui, on a oublié de vous dire, il y a toujours un petit personnage qui ressemble à Longol. Ouais, mais ce n'est pas Longol. Il vous attaque avec. Alors, c'est le type d'attaque, je vous dis comme ça. Alors, compétence spéciale lance-flamme. Ah ben, un autre. Alors, il y a lance-missile. Oh, super. Bon, j'ai pas vraiment envie de les rencontrer. Hein. J'ai pas envie de vous les montrer. Oui, c'est Jet Prime. Je lui dis Jet Prime. Le pauvre Hélico, normalement, ça se fait pas. Il devrait être détruit. Ah, je l'ai toujours pas défoncé. Son lance-missile. Voilà. Non, il est toujours là. Ouais, bientôt. Alors. Comme ça, on conseille jouer avec Jet Prime. Sinon, vous allez jamais réussir. J'ai déjà réussi en bronze, mais j'ai oublié de regarder. Alors, c'est pas le truc. Regardez, il gagne de l'énergon. Comme si on sortait des petits pains du four. Toute seule. C'est magnifique. Hop là. Alors, non, là pour l'instant, il n'a pas ses canons là, au niveau des hanches parce qu'après il aura des canons au niveau des hanches. Voilà, ce qui est bien énervant. Ouais, surtout quand on a Bumblebee parce que Bumblebee ne vole pas, hein, comme vous le savez. C'est le premier personnage que l'on utilise pour le vaincre. Donc, dans G1, il vole, notre très cher Bumblebee, mais on n'est pas dans G1. Voilà, un autre secte. Oh là là là. Au bout du cinquième, là il n'en a que 3. Ouais. Il gagne encore plus d'énergon. Ce qui est bien. Bon, comme vous le savez, Devastator est un Constructicon. La fusion de 3 Decepticons. Ah non, il a ses canons. Ah bah il a ses canons sur les hanches, faut que Raphaël se dégage parce que sinon on va se faire aspirer. Ouais. Alors. Voilà. Donc ça devrait aller là pour celui-ci. Ah non, je suis trop. Alors là, il y a des. Voilà, je vous montrais le chronomètre. On ne voyait pas bien tout à l'heure. Voilà, et la jauge d'énergon. Allez, je redescends un peu. Pour tout voir. Voilà, comme vous voyez les missiles passer derrière, c'est bien les mini longos, comme j'appelle. C'est ses canons, sa vie. Sa vie, c'est les canons. Voilà. Oula. Raphaël perd des points de vie. Voilà. Comme vous voyez, ça se régénère tout seul. Avec certains transformers comme Ratchet, il y a une compétence spéciale qui leur redonne de la vie. Normalement, c'est la même chose. Voilà. Il y a ceux qui sont près d'eux. Voilà. Ça, tu es bien. Franchement. Oula. Qu'est-ce qu'il va me faire ? Il t'envoie juste une tirochée, Raphaël. Comme toi. Quand il y a certains personnages, vous voyez alerte missile quand vous lancez les missiles. Bon, moi en général, je m'en fiche des alertes missiles parce que j'attaque quand même. Bourrin. Je suis un bourrin. Alors, Devastator a plusieurs attaques. Alors, il faut. On va pas vous montrer la suite, hein. On va vous montrer autre chose en mode découverte avec les Autobots.